Bianca à Bruxelles. Donc on va filmer ça aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira. Et on a des petites invitées qui vont venir avec nous au salon. J'ai oublié, j'avais mon invité principal, mon chauffeur. Voilà, il est content, il apparaîtra dans la vidéo. Tu payes des strass. Regarde, il y a un bout en plastique. Oh là, ça sera plus l'autre, mon pinceau fétiche, ça sera cela maintenant. Et elle me filme, tu sais. Quel beau gosse. T'as vu, c'est ugly duck. Je sais pas ce que ça veut dire, je crois que c'est des canards, non? Ah oui, j'ai eu des cadeaux. J'ai eu un cadeau. Comment? Ugly de qui? Non, canard moche, enfin moche canard, enfin. Regardez mon cadeau. Canard moche. Un petit coin noir. Et il vibre pas aussi celui-là. Non, dommage. Ça va vibrer, faut qu'on repasse un mot aussi. Je vais le mettre sans mélange du coup. Combien? 75 euros. Attends, on répète. Je vois qu'il y en a, ils ont fait des achats. Elle fait genre, en fait, elle voulait aider. Arrête de filmer ma beauté. C'est quoi? Oh, j'en veux un peu. J'en veux un petit peu. Vous en voulez? Arrête, c'est gênant. Allez, on va un petit coup. Glou.
comme on a vu en bas. Il y a quoi? Bah, je crois qu'elles ont craqué. Hein. Elles ont craqué. Fallait s'en douter. Gwenaëlle, t'as craqué? Non. Océane, as-tu craqué, Océane? Non. Ah bah oui, elle a craqué. Hein. Il est trop résistant. Il est trop... Mais vous savez qu'il y avait des serviettes pour essuyer vos mains? Mais ça non, tombe pas chez les femmes. Bah, ça tombe. Hommes, on... on va jamais savoir l'enlever. Sorry. Ouais, mais ils sont frottés. Ça veut dire que quand tu vas boire un verre avec ton base, tu peux être en mode... Oh, bon alors, ouais. C'était bien ou pas? Ça fait mal. Hein. Oh. Pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc le stand Halo dont j'ai beaucoup entendu parler, j'ai pris deux gels de construction, donc un pink et un pink mais un peu plus foncé, donc hâte de tester. Voilà, ensuite une blouse. Parce que la mienne était devenue beaucoup trop large. Je vous l'enfile vite fait. Je ferme pas tous les boutons parce que sinon demain je suis pas là. Hein. Mais je vais vous montrer. Aïe aïe aïe. Voilà. Donc après, une fois fermée, elle sera un petit peu plus serrée évidemment. Et je trouve que ça fait très professionnel. Ensuite, des blocs ponces. Des limes. Alors là, je vous montre pas. Une marque que je viens de découvrir, Ugly Duckling. Excusez-moi l'accent, parce que je suis vraiment nulle, Pays-Bas. Ça c'est une finition mate. Alors j'ai vu les mates qu'ils ont et franchement trop hâte. Je fais une tête. Là c'est le nail prep. Et ensuite on a finition brillante sans résidus. Hâte aussi de l'essayer. Elle a l'air bien brillante. Donc voilà, ça c'est mes petits bébés. Et en plus ils m'ont dit que si la prochaine fois je commandais sur leur site internet, donc ils m'ont créé un compte pro et tout, ils m'ont dit que si je commandais avant 15h, je l'avais le lendemain. Donc, génial. Ensuite, oh, mes petits bijoux, toujours de la marque Ugly. Alors là, franchement, ça c'est des bijoux, c'est pour faire des dessins. Donc c'est des pinceaux de détail.
Bon, après, je vous avoue, j'ai fait une connerie. Avant de découvrir le site, le stand Ugly, j'ai voulu prendre des pinceaux. Je me suis dit, je vais prendre des pinceaux de détail. Mais franchement, quand je vois ceux-là et que je vois ceux-là, bah, ceux-là, je vais les utiliser et ceux-là, non. C'est sûr. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout. Donc voilà, je suis contente. J'ai hâte d'essayer tout ça. Donc, que dire T'es gênée là, je te filme. Pas du tout. Non, j'ai juste dans ma tête, là, je suis en train déjà de m'imaginer en train d'utiliser mes nouveaux produits et tout.